Le jury interdisciplinaire de la CAF a rejeté l'appel de la FECOFA sur l'affaire de Gaylor Kanga. On peut déduire que des prétentions de la FECOFA portant sur l'existence de la falsification de l'identité du joueur dont il est question, ainsi que les éléments présentés par cette dernière, et les prétentions de la FEGAFOOT, ainsi que les éléments de preuve fournis par cette dernière, le joueur Kanga est enregistré comme étant de la nationalité gabonaise et a participé depuis 2008 à l'ensemble des compétitions de la CAF avec l'équipe nationale du Gabon ainsi que les équipes gabonaises en compétition interclub. L'espoir semble définitivement perdu, sauf si la RDC décidait d'attaquer en appel conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du code disciplinaire de la CAF dans un délai de 3 jours à compter de la date de publication de la décision.